Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Moyo wenu bonso. Mbote nabino banso ban pangi ba patriot ba wazalendo. Jambo enu wa sikilizaji wa lugha la Kiswahili. Mbote nabino ban pangi. Moyanyo. Voilà, chers compatriotes, c'est l'habitude. Il y a quatre langues nationales. Bon, on les utilise. Comme ça, tout le monde se retrouve. Chers compatriotes, comme vous pouvez le voir dans les titres, la SADC ne se battra plus contre le M23 RDF. Qui a trahi? Qui a tant corrompu? Mais, comme sous-titre, je peux ajouter, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, chers compatriotes, je vous avais fait entendre un audio sur le voyage de Roubaix-Roy à New York. Je vais encore vous faire entendre cet audio. Dans cet audio, le nom de Caméré, Vital Caméré, est cité. Dans cet audio, il est prévu de contacter la SADC pour l'empêcher d'intervenir. Dans cet audio, Roubaix-Roy joue quel rôle et à son retour, il est rattrapé par l'Agence nationale de renseignement et jusqu'à présent, il est là. Je ne sais pas si c'est son deuxième jour là-bas ou son troisième jour. Il est toujours là-bas, interrogé et des noms sont déjà cités. Et aujourd'hui, le commandant de la SADC, il dit tout bonnement, « Oh voilà, les FARDC sont en connivence avec des groupes armés illégaux. » Il cite les Wazalendo, bah, « Tant qu'ils sont là avec les Wazalendo, non, on n'attaque pas. » Ça, c'est un échappatoire. Ça, c'est un échappatoire pour réaliser le plan des Occidentaux. Il y a un pays membre de la SADC qui a envoyé un émissaire venant d'Angola, chers compatriotes. Nous ne sommes pas des idiots. Toza Bayou Maté. Oui, on va le dire ensemble avec le président. Toza Bayou Maté. Anthony Blinken à Ken Angola. Mouke, émissaire. Il y a président angolais Ayenakin Kopé Samukanda. Les Lotoyoki qui commandaient à SADC a boyi qu'on s'engageait à côté des FARDC pour attaquer les terroristes
M23 RDF, l'armée rwandaise. Mais il y a un lien, le lien est visible, c'est clair et net. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que tous les pays de la SADC vont se conformer à cela? Mais le problème, c'est que il y a un seul commandement de celui qui a déclaré que, voilà, ils ne vont pas s'engager. Mais l'Afrique du Sud, qui fait partie de la SADC, a des intérêts avec la RDC. Tant qu'il y a la guerre, est-ce que le projet de finir une phase Inga, des chutes du barrage d'Inga, une phase qui servira aux Sud-Africains au finish, est-ce que ça va se faire convenablement? Ils ont intérêt à nous assister. Eh bien, il a déclaré, nous allons voir ce qui va se passer sur le terrain. Chers compatriotes, c'est très grave ça. Mais, quelles que soient les déclarations de la SADC, nous avons vu ça avec les AC, tant pis, ils peuvent rebrousser chemin. Tout ce que nous savons que il y a des signes qui ne trompent pas, je vais vous dire encore autre chose. Le président de la CENI, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au mois de juillet, il va commencer les enrôlements dans le territoire de Massissi et le territoire de Rutshuru. Nous savons très bien qu'il y a une guerre dans cette zone-là, dans le territoire de Rutshuru et le territoire de Massissi. Le territoire de Rutshuru, c'est là où il y a la cité de Rutshuru, la ville frontalière de Bunagana. Et le Massissi, c'est la province très riche et le territoire très riche où il y a les mines de coltan de Roubaix, où il y a, où il y aurait des mines à Kichanga, un peu partout dans cette zone-là, de l'or aussi. Alors, je pense que ce n'est pas pour rien qu'un président de la CENI peut dire qu'au mois de juillet, il y aura des enrôlements. Je prévois donc, on a le droit de prédire qu'il y aura une attaque d'envergure pour en finir une fois pour tous et une fois pour toutes. En ce moment, on remarque qu'il y a un jeu de ping-pong. Un jeu de ping-pong. J'envoie la balle, tu me la remets. J'envoie la balle, tu me la remets. Ils attaquent Karouba, ils reviennent à Karouba. Ils attaquent Mouesso, ils reviennent à Mouesso. Ils attaquent Kichanga, ils reviennent à Kichanga. C'est tout le temps comme ça. Ça va finir quand? Donc, il y a un plan sûr et certain qui sera ce qu'on appelle la solution finale. Pourquoi je dis ça? Parce que Denis Kadima n'est pas bête. Pour dire qu'il va le faire au mois de juillet, il le sait, nous le savons, que toute cette zone-là, les deux territoires, ou peut-être trois, Niragong aussi, que nous sommes en guerre. Ces gens-là, ils viennent, ils attaquent, après, ils disparaissent dans la brousse ou dans les forêts de ce côté-là. Ce n'est pas une guerre vraiment très classique. Donc, il y aura une méthode qui sera utilisée de façon à les éradiquer et à les poursuivre. Et quand je dis poursuivre, je pense déjà au Burundi. Nous sommes au courant que le Burundi a déclaré qu'il va attaquer
officiellement le Rwanda. Il va officiellement en guerre contre le Rwanda. Vous savez que le Burundi est l'allié de la République démocratique du Congo. Le Burundi ne sera pas abandonné par le Congo. Le Congo peut se dire, eh bien, attaque. Si ça ne va pas, j'ai mes drones, hein, je peux tirer à distance, de toutes les façons. De Goma jusqu'à Kigali, c'est moins de 150 km. Ou de notre frontière avec le Burundi, les drones d'attaque peuvent se positionner là et lancer des missiles sur Kigali. Hein. Nous pouvons les aider. Ils nous ont aidés. Quand l'EAC est arrivé, c'est les Burundais membres de l'EAC, qui attaquaient les M23 RDF. Et ils n'étaient pas contents pour ça. Ils sont majoritairement nos frères bantous. Ouais, de toutes les façons, ça ne veut rien dire. Il y a la SADC, ce sont des bantous comme nous. Bon, les Américains, avec Blinken, les ont menacés, et voilà, ils ne veulent plus s'engager, ils donnent une fausse raison. Les Oisalendo ont été légalisés, les Oisalendo sont des réservistes. Dans tous les pays du monde, il y a des réservistes. Nous les considérons comme des réservistes. Ils sont les habitants de ces endroits-là. Ils se défendent, ils défendent leur territoire. Vous imaginez que depuis que cette guerre a commencé, il est mort, ça se compte au-dessus, en millions, au-dessus de 10 millions, chers compatriotes. Je parie que chacun des habitants du territoire de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, a au moins un membre de famille qui a été tué. Moi-même qui suis du Kassai central, j'ai un cousin germain qui est mort de ce côté-là. Je peux vous citer son nom. Il s'appelle John Chimpaka. John Chimpaka est mort là-bas. Et moi, je ne suis pas Oisalendo de là-bas. Je suis très loin. Je soutiens, je suis aussi Oisalendo. Patriote, Oisalendo, ça veut dire patriote. Les FARDC ont tendance, vraiment, nous respectons quoi? Le cessez-le-feu, nous nous défendons seulement quand, si nous sommes attaqués. Mais c'est quoi ça? C'est de la lâcheté. L'armée rwandaise est là, nous attaque, vous regardez. Parce qu'il y a le cessez-le-feu, c'est complètement bête ça. Voilà, ben, je pense peut-être c'est pour cela qu'on a changé le commandant de la 34e région militaire. Voilà, chers compatriotes, je suis sûr et certain qu'il y aura une opération d'envergure, mais il faut le faire vite. Alors, je pense que comme les enrôlements sont prévus au mois de juillet, eh bien, c'est maintenant qu'il faut lancer cette opération d'envergure. On pensait le faire avec la SADC, mais tant pis, bon, ils ne veulent pas. Il faut que le gouvernement trouve d'autres solutions. Maintenant, voilà, chers compatriotes, je vous fais d'abord écouter l'audio. Je vous ai déjà fait écouter l'audio dans les émissions précédentes, mais je le refais pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont prévisibles et il y a des signes qui ne trompent pas. L'audio avait parlé de l'implication de Vital Kamerhe dans cette histoire. Donc Paul Kagame est dedans. Robert est parti à New York pour prendre des contacts. Et après que Robert ait été aux États-Unis, Blinken en Angola. Et l'Angola, pays de la SADC. Bon, après s'ensuit une déclaration comme quoi la SADC n'attaquera pas tant qu'il y a
les Ouazalendo, qui sont légaux. Écoutons un peu, on va revenir là-dessus. Plan ilikuwa prepare iko ngufu sana kuko nani ule Azarias alikuwa alenda Amerika. Kwenda Amerika aliongea na watu wa Amerika kule pale bakuwa ya Amerika. Basha maliza plan yote wakiangalia hakuna wa execute ile plan. Bale bazungu wakaenda France, kutoka France wanaenda wana na Rwanda. Après Rwanda ule mkubwa wasi kama ni secretary d'etat Amerika anatoka Amerika anaenda wana na Kagame. Banauliza Kagame kama anaweza kutumikisha nani juu apige coup d'etat Kinshasa. Banakiangalia watatumikisha omwe watumikishe Kamere. Balitisha Kamere sur telefone. Na après kumesha sur telefone wakimtumia mtu kwa mule mule mu Kinshasa baliongea balifanya renio. Après kufanya renio njoo bakifanya ile renio balifanya. Njoo bakisema banataka fasa ambla kufa bras de fer na Tshisekedi. Na batoshe majorite yabo. Après kushile majorite yabo banafanya ma renio bakwe na badepite na bapolitisi batakuwa nyuma yake. Na bashanza fanyisha na ma renio na basoda mule mule mu Kinshasa. Iko sasa banatafuta batu ya este na batu ya kule ngambo ya kule ku west ndio bikameri kwa tafuta create trouble mwa ya nguvu me na mwaba soda wa sadiki wanatafa gisi walifanya kagisi walifalo rande zile kabila ndio gisi ile grame kuko nasema donc kama kisekedi analala tu kidogo kamera tamulambula ndio problem yenye iko ile amepima kutufasiria na tufasiria mimi anasema tuombe Mungu sana juu antuka hewa haiko bie kamera kuna kopi nyamepata na aliona hata katala kope na waliona hakuna tretre mwingine mbanza tumikisha omwe kamera na njoo kuna ka influence moja hivi njoo mara bana mtumikisha me kamera haiko tena kubia Tshisekedi sani sata la mula Tshisekedi iwe sumu iwe coup d'etat iwe nini yote anataka tumikisha meni kope yamepata ni ya Amerika na wanasema wanataka bifanya na election hayapita mu Amerika ndio kope yenye iko hivi. Chers compatriotes, boyoki audio wana bisoyons toyo kakata muke toyo kakaki swahili donc atao ya zali koyokate donc boyoka ba mot clé hein pour comprendre yango makambo yo balobi na audio wana ezali oyo ezali kosali malelo ezali oyo ezali kosali malelo agitateur camer a créé le comment pour la kosala agitation bazala ki na programme a contacté Sadek Sadek alobi lelo ke a kosala bitumbate parce que Fardese azali ko respecté ba réglété azali ko collaboré na ba groupe armé les Ouazalendo mais c'est faux les Ouazalendo baza officiel chers compatriotes vous voyez wana ezali échappatoire bazali ko ki ma vérité ba menacé bango et pas ba américain. Tony Blinken a kendaki Angola a kei ko menacé Sadek bokota na bitumba wana te. Finalement le monde entier ne nous aime pas, le monde entier ne nous aime pas, donc essayons d'autres stratégies hein. Nous sommes assez puissants. Il y a le Burundi qui est avec nous, en attendant. Mais je pense que ce n'est pas tous les pays de la SADC. Hein. L'Afrique du Sud peut encore faire quelque chose, peut aller en solo. Hein. Parce que l'Afrique du Sud a des intérêts avec nous. Il y a une phase de Inga en train d'être... mise en place parce que cette phase là il y a déjà les câbles électriques jusque à Kolwezi. De Kolwezi ça va continuer en Zambie, les lignes à haute tension vont traverser la Zambie, le Botswana arriver en Afrique du Sud, ils recevront notre électricité donc
Ils sont un partenaire très, 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 très important pour nous. Et eux savent que nous sommes un partenaire très important. Ils ont intérêt à nous aider. Parce que l'Angola peut craindre les États-Unis, les autres pays aussi, mais pas l'Afrique du Sud, hein, pas l'Afrique du Sud, hein. L'Afrique du Sud ne craint personne, vous voyez, ils ont même porté plainte contre Israël. C'est un pays puissant, et ils sont dans le BRICS. Et nous sommes également, nous, la RDC, sur le chemin d'intégrer le BRICS pour nous détacher du dollar qui nous crée des difficultés économiques. Voilà, chers compatriotes, je voulais tout simplement vous montrer en long, en large, que tout était prévu, hein. Nous étions déjà alertés. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une alerte, il ne faut pas prendre à la légère. Aujourd'hui arrive ce qui était prévu. Roubaix-Roi, la France, Kagame, et Anthony Blinken, l'Angola, et la SADC prend la décision. Eh bien, retenons aussi que on nous a déjà mis au parfum d'une attaque de grande envergure avant le mois de juillet, parce que Denis Kadima ne peut pas se tromper. Il dit qu'il y aura des élections, l'enrôlement au mois de juillet dans le territoire de Massis et le territoire de Rutshuru. Avant ça, il faut que ces zones-là soient pacifiées. Donc, la RDC ou les FARDC vont faire quelque chose, vont nous surprendre par une attaque de grande envergure pour en finir une fois pour toutes. Voilà, chers compatriotes, et j'ai confiance. J'ai confiance, ce n'est pas une fausse promesse, j'ai confiance. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêterons par là, mais je peux aussi dire un mot, hein, sur les parlementaires. Je donne aussi un conseil. Je suis un patriote congolais, donc je préfère que les députés restent députés au Parlement. Je suis contre le cumul de fonctions. Un député nommé ministre. Et je suis contre la nomination des mêmes personnes tout le temps. Ça crée une oligarchie, comme je l'ai entendu sur le net parmi d'autres compatriotes. Ça crée une certaine bourgeoisie politique, une clique de certaines personnes qui vont garder le pouvoir entre leurs mains au détriment de la population. Et je suis contre le train de vie exagéré. J'ai entendu un ancien ministre qui est élu député dire que non, 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 non. Dans le régime passé, vraiment, l'équipe dirigeante était obèse, et quand même le Parlement a été obèse, il a utilisé ce mot-là. Donc il faudra réduire le train de vie pour ne pas se faire haïr par le peuple, parce que tout ça tombe sur le président de la République. C'est à lui de prendre en compte ce que le peuple est en train de dire. Parce qu'on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Heureusement que nous avons un président de la République qui écoute le peuple. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tulina
Bana Congo.